السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Selon ses promesses, Allah a envoyé l'amoureux parfait du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam afin d'augurer la renaissance de l'islam. Sans nul doute, ils étaient très chanceux, ceux qui, après 1400 ans, ont connu la période des révélations toutes nouvelles. Ces personnes qui ont prêté allégeance au Messie premier l'Islam et qui ont profité de ces révélations. Le cœur est en émoi quand on tente d'imaginer ces compagnons du Messie premier l'Islam, ces compagnons qui louaient et qui remerciaient Dieu de les avoir réunis autour du Messie promis à l'Islam. Lorsqu'on imagine pareille scène, eh bien, le cœur est en émoi. Les promesses divines sont vraies. Il a affirmé qu'il fera naître parmi les akhirin ceux qui vont se joindre aux premiers. Et en montrant des signes tout récents par l'entremise de révélations au Messie premier l'Islam, le serviteur parfait du saint prophète, paix soit sur lui, eh bien, en montrant ces signes, Dieu a renforcé la foi de ceux qui ont prêté allégeance au Messie promis à l'Islam. Tous les matins, ses compagnons du Messie promis à l'Islam tenter de connaître quelles étaient les nouvelles révélations reçues par le Messie premier al-Islam. Hazrat Muslim Aoud, radiallahu anhu, le deuxième calife de la communauté Ahmadiyya, a décrit en ces termes l'état de ses compagnons. Il a déclaré que, dès que le soleil pointait à l'horizon, les Ahmadis couraient à droite et à gauche comme des amoureux pour connaître les nouvelles révélations reçues par le Messie premier l'Islam durant la nuit. Hadrat Muslim Aoud déclare que, dès que moi ou tout autre enfant du Messie premier l'Islam sortait de la maison, ces Ahmadis nous demandaient quelle est la nouvelle révélation reçue par le Messie premier l'Islam.
Et Hadrat Muslim Maud déclare quant à lui que dès que le Messie premier Islam partait pour la prière, eh bien, je sautais sur son cahier pour lire la nouvelle révélation qu'il avait reçue. Ou je partais à la mosquée pour l'entendre directement des lèvres bénies du Messie premier Islam. Ces Ahmadis étaient animés de cet ardent désir car ils voulaient affiner et renforcer davantage leur foi parce qu'ils voulaient profiter des bénédictions de leur foi. Ils désiraient remercier et louer Dieu pour leur avoir permis d'accepter le Messie premier Islam. Parfois, le Messie premier Islam recevait des révélations en présence de certains compagnons, et ces derniers, fort chanceux, pouvaient entendre les révélations divines. Des fois, étant à côté du Messie premier Islam, ils entendaient ces révélations directement. Hadrat Muslim Maud, radiyallahu anhu, relate le récit d'un de ses aînés, en présence de qui le Messie premier Islam a reçu des révélations. Il dit, le docteur Sayyid Inayatullah Shah Saheb appartenait à une très ancienne famille Ahmadi. Son père, Sayyid Fazal Shah Saheb, était un compagnon très proche du Messie premier Islam et il servait souvent le Messie premier Islam et venait souvent à Qadian. Sayyid Nasir Shah Saheb, qui était auparavant contremaître et qui a été promu, était son frère, c'est-à-dire le frère de Sayyid Fazal Shah. Sayyid Nasir Shah était lui aussi imbu d'une grande sincérité et il avait une grande affection pour le Messie premier Islam. En raison de sa sincérité, il disait à son frère Sayyid Fazal Shah, « Ne te soucie pas de trouver un emploi, va t'établir à Qadian et profite de la compagnie du Messie premier Islam. Envoie-moi des notes de là-bas et demande au Messie premier Islam de prier pour moi. Je t'enverrai de l'argent pour tes dépenses. » C'est ainsi qu'il venait en aide à son frère, tout simplement parce que ce dernier était en compagnie du Messie premier Islam. Hadrat Muslim Maud, radiyallahu anhu, relate, alors qu'il souffrait de ses reins, le Messie premier Islam avait reçu une révélation qui débutait avec le mot Al-Raha. Cette révélation était tout aussi longue qu'une ruku. Sayyid Fazal Shah était en train de masser le Messie premier Islam pendant qu'il recevait le Messie premier Islam et le Messie premier Islam souffrait de ses reins ce jour-là. Ainsi, Sayyid Fazal Shah a reçu cette grâce d'être en présence du Messie premier Islam pendant que ce dernier recevait cette révélation. Et des fois, le Messie premier Islam répétait cette révélation à voix haute. Hadrat Muslim Maud dit, nous étions enfants à l'époque et par imprudence, j'étais parti dans cette chambre de laquelle le Messie premier Islam était allongé. Ce jour-là, le Messie premier Islam était sous une couverture et Sayyid Fazal Shah était en train de le masser. Il savait que le Messie premier Islam était en train de recevoir une révélation. Selon le Messie premier Islam, Sayyid Fazal Shah était lui aussi en train de consigner cette révélation. Sayyid Fazal Shah a indiqué à Hadrat Muslim Maud de partir de là. Et je suis sorti. J'ai su après que le Messie premier Islam avait reçu une très longue révélation. Cette révélation évoquée par Hadrat Muslim Maud radiyallahu anhu concernait cet incident et ce procès qui avait trait au mur qu'avait érigé Musa Imamuddin avec l'intention d'obstruer une voie. À la lumière du dossier présenté au tribunal, il y avait grande probabilité que le verdict serait en faveur de la partie adverse, voire ils avaient annoncé que le verdict sera rapide. Cependant, l'issue fut en accord à la révélation reçue par le Messie premier Islam, et au dernier moment, on trouva une pièce dans le dossier qui prouva
que Mirza Ghulam Murtaza, le père du Messie premier Islam, avait avec Mirza Imamuddin des droits sur ce terrain. Et le tribunal a jugé en faveur du Messie promis à l'Islam et a ordonné que l'on démolisse ce mur. Cette révélation était glorieuse. Je vous présente ici-bas sa traduction qui est consignée dans le recueil Tadkira et dans le livre Hakikatul Wahi. Le Messie premier Islam écrit à ce sujet: je me souviens que Sayyid Fazl Shah Saheb, le frère de Sayyid Nasir Shah, le contremaître de 12 Mawla Kashmir, était en train de me masser les pieds. C'était dans l'après-midi quand j'ai reçu cette révélation concernant le procès du mur. J'en ai informé Sayyid Fazl Shah et je lui ai demandé de consigner cette révélation pendant que je la recevais. Ainsi, il a pris une plume, de l'encre et du papier. Je m'assoupissais en accord à la sunna de Dieu et une phrase m'était révélée et je la prononçais. À la fin d'une phrase, je m'assoupissais de nouveau et mes lèvres énonçaient la prochaine phrase révélée jusqu'à ce que la révélation fût complète et écrite par la plume de Sayyid Fazl Shah de Lahore. Et j'ai compris que cette révélation concernait l'affaire du mur érigé par Mirza Imamuddin, dont le procès est en cours au tribunal, et j'en ai aussi déduit que nous allons remporter ce procès. J'ai relaté cette révélation à nombre de mes disciples, et je leur ai informé de sa signification et du contexte de sa révélation. Je l'ai publié dans le journal Al-Hakam et j'ai informé tout le monde que le procès a certes pris une tournure dangereuse et qu'il n'y a pas d'espoir en vue. Cependant, Allah va créer une telle situation qui va augurer notre victoire. Car telle est la somme et le résumé de cette révélation. Cette révélation était en langue arabe, elle est très longue et voici sa traduction. Il est dit: la meule a été tournée et le décret divin est descendu. C'est-à-dire, le procès prendra une nouvelle tournure comme cela arrive quand une meule tourne. La partie qui était visible est cachée en raison de la rotation et la partie qui était cachée se dévoile. Telle est la grâce promise d'Allah. Cette traduction est celle du Messie premier d'Islam. La révélation dit: ce qui a été promis s'accomplira certainement et personne ne pourra le détourner. Dit par mon Seigneur: ceci est la vérité, ce décret ne changera pas le moins du monde, ni sera-t-il caché. Un point se dévoilera qui te surprendra. Ceci est une révélation du Seigneur des cieux élevés. Sûrement, mon Seigneur ne rejette pas le droit chemin parcouru par ses serviteurs choisis. Et il n'oublie pas ses serviteurs qui méritent son soutien. Vous aurez une victoire éclatante dans cette affaire. Cependant, cette décision sera retardée jusqu'au délai fixé par Dieu. Tu es avec moi et je suis avec toi. Dis, toute chose est entre les mains d'Allah. Laisse l'ennemi se vautrer dans son égarement, dans son orgueil et dans son arrogance. Le Dieu Tout-Puissant est avec toi, il connaît ce qui est caché. En effet, il est au courant même des plus grands secrets. Et il est au courant de ce qui est au-delà de la compréhension de l'homme. Lui seul est digne d'adoration. L'homme ne doit pas se fier à tout autre que lui, comme si celui-ci est digne d'être adoré. Ceci est un attribut qui appartient exclusivement à Dieu. Il est le seul qui sait tout, qui voit tout. Allah est avec ceux qui sont imbus de taqwa, avec ces personnes qui le craignent. Quand ils accomplissent une bonne œuvre, ils respectent pleinement toutes ses exigences.
ils n'accomplissent point ces bonnes œuvres de manière superficielle et défectueuse. Au contraire, ils s'en acquittent dans leurs moindres détails et rendent pleinement justice à ces œuvres. Voilà ceux qui profitent de l'aide divine, parce qu'ils sont au service de ces voies choisies, ces voies qu'ils foulent et ils guident les autres vers ces voies. Nous avons envoyé Ahmad, c'est-à-dire le Messie premier d'Islam, à son peuple, mais son peuple se détourna de lui et déclara « Il est un menteur, il est avide de ce monde, il désire amasser des biens terrestres en usant de tel ou tel subterfuge. » Ils ont témoigné contre lui afin de le faire arrêter et ils lui tombèrent dessus comme une tempête qui frappe d'en haut. Mais Allah, déclare mon bien-aimé, est proche de moi. Il m'est proche mais caché des regards de ses adversaires. Cette révélation s'est accomplie avec gloire et le Messie premier d'Islam en a fait mention dans plusieurs endroits. Il est fort probable que cette révélation s'est accomplie en plusieurs occasions. Et ce qui était caché, ce qui était dans le secret, s'est dévoilé au grand jour. Et Dieu a rendu son verdict toutes les fois qu'on intenta des procès au Messie premier d'Islam par la grâce de Dieu, et les intentions de ses ennemis se retournèrent contre eux, et le verdict a été rendu contre eux. Évoquant les rencontres tenues par le Messie premier d'Islam, Hadrat Muslim Maud déclare dans un endroit « La voix du Messie premier d'Islam résonne jusqu'à présent dans mes oreilles. En dépit de mon jeune âge, je m'assistais aux réunions du Messie premier d'Islam et j'écoutais les conseils du Messie premier d'Islam. Lors de ces rencontres, j'ai profité de toute une étendue de connaissances, tant et si bien que par la suite, lorsque je lisais les ouvrages du Messie premier d'Islam, j'avais l'impression d'avoir déjà entendu ces points. Le Messie premier d'Islam avait pour habitude d'évoquer dans la soirée ce qu'il avait écrit durant la journée. C'est pour cette raison que j'ai pu mémoriser tout ce qu'il disait. J'ai saisi dans toute la profondeur les souhaits du Messie premier d'Islam ainsi que ses préceptes. Évoquant ce qu'est la foi réelle, Hadrat Muslim Maud radiallahu anhu déclare dans un endroit « Il est tout à fait futile de tenter de convaincre une mère à l'aide d'arguments que si elle ne s'occupe pas de son enfant, son foyer familial sera brisé. Ces arguments n'auront pas d'effet sur elle pour une seule minute. » L'on ne pourra convaincre une mère à prendre soin de son enfant en usant d'arguments. Si la mère est en train de prendre soin de son enfant, elle le fait en raison de l'amour qui gît en son cœur. C'est pour cette raison que le Messie premier d'Islam disait que seule une foi aveugle, à l'instar de celle des vieilles femmes, protège de l'égarement. Et quant à ceux qui ont recours aux preuves et aux arguments, cela s'arrête à chaque pas. Ils demandent « Pourquoi a-t-on donné tel ordre ? Pourquoi nous a-t-on demandé d'accomplir telle ou telle œuvre ?» Souvent des fois, cela s'égare et leur foi part à la perdition. Le peu de foi qu'ils possèdent part à la perdition. Or, une foi parfaite repose sur le témoignage. Celui qui possède cette foi parfaite écoute, certes, les critiques des autres, mais ces critiques n'ont pas d'effet sur sa foi, car il a vu Dieu par son œil spirituel. Ensuite, Hadrat Muslim Maud a cité l'exemple de Munshi Arura Khan Saheb, qui était un compagnon du Messie promis à l'Islam. Hadrat Muslim Maud déclare je me souviens d'un point qui concerne Munshi Arura Khan Saheb que j'ai cité dans le passé que je répète de nouveau. Munshi Arura Khan disait que d'aucuns m'ont demandé d'écouter un seul discours de Molvi Sanaullah et c'est ainsi que je saurai si Mirza Saheb est véridique ou pas. Munshi Arura raconte que j'ai écouté un discours de Molvi Sanaullah. D'aucuns m'ont demandé
après tant d'arguments présentés par Maulvi Sanaullah, crois-tu que Mirza Sahib est toujours véridique? Mirza Arura Khan a déclaré, j'ai vu le visage du Messie premier d'Islam. Et après avoir vu son visage, même si Maulvi Sanaullah prononce devant moi un discours pendant 2 ans, son discours n'aura pas d'effet sur moi. Et je ne pourrai pas déclarer que ce visage est celui d'un menteur. Il se peut que je ne trouve pas de réponse à ces objections, mais j'annoncerai quand même que Mirza Sahib est véridique. Ainsi, il n'est point nécessaire à un croyant véritable de connaître tous les aspects de la sagesse, car sa foi ne repose pas sur la rationalité, mais sur le témoignage. C'est un récit qui concerne Munshi Arura Khan. Il était important de le mentionner ici, car nous devons tenter, nous aussi, de voir Dieu par l'entremise de notre œil spirituel. Et cela sera possible lorsqu'on va accroître sa relation avec Dieu. Et la croyance dans le Messie promis d'Islam sera véritable lorsqu'on comprendra qu'Allah l'a envoyé à notre époque pour la réforme du monde et que c'était là l'exigence de l'époque. Un réformateur devait apparaître en notre temps. La situation du monde est en soi une preuve de la véracité du Messie promis à l'Islam. On n'a point besoin d'autres preuves hormis celle-là, car le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, avait fait les prophéties concernant cette époque corrompue. Quand on établira une relation avec Dieu, l'on va craindre Dieu. Et par la suite, l'on ne va pas requérir nombre de miracles. Ce ne sera pas la peine de demander des miracles. Les exigences de l'époque et chaque instant de la vie du Messie premier d'Islam sont autant de preuves de la véracité du Messie premier d'Islam. Nous devons tout le temps nous en souvenir et renforcer notre foi. Et qu'Allah fasse que les autres musulmans soient conscients des nécessités de l'époque et qu'ils puissent eux aussi accepter l'imam de l'époque. En évoquant la sincérité de Munshi Arura Khan Saheb, le Muslim Maud déclare dans un endroit, il est certain non connu au sein de notre Jamaat, dont un compagnon sincère du Messie premier d'Islam qui s'appelait Munshi Arura Khan. Pareil nom semble fort étrange. Hadrat Muslim Maud explique qu'à l'époque, ceux dont les enfants mouraient en bas âge avaient pour coutume de traîner rituellement leurs enfants sur un tas d'immondices avec l'espoir que cet enfant vivra. C'était là une tradition à l'époque, ou c'était là un fait imaginaire, et il donnait à cet enfant le nom d'Arura. Et les parents de Munshi Arura lui avaient donné le nom d'Arura. Mais aux yeux d'Allah, il n'était point impur, il n'était pas celui qui vivait dans ces endroits impurs. Ses parents lui avaient donné ce nom avec l'espoir qu'il vivra. Or, en le plaçant sous les pieds du Messie promis d'Islam, Allah ne l'a pas uniquement protégé de la mort physique, mais lui a aussi protégé de la mort spirituelle. Ses parents ont voulu faire de lui une offrande aux détritus, or Allah lui a accordé un cœur pur et l'a choisi. C'est ainsi qu'il a reçu la faveur de la foi et qu'il fut parmi les compagnons choisis du Messie promis d'Islam. Il y a très peu de compagnons de ce genre. Et le Messie promis d'Islam affirme que le salut est impossible sans une foi pareille. Voilà la sincérité de cette personne. Il avait une telle sincérité que le Messie promis d'Islam lui a loué pour sa sincérité. Ces personnes ont fait montre de leur sincérité, une sincérité qui laisse bouche bée. Ces personnes étaient des monuments d'amour et d'affection. Hadrat Muslim Maud en déclare,
Il déclare à propos de Munshi Arura Khan que Munshi Arura Khan travaillait peut-être dans le tribunal d'un magistrat ou du juge de district. Une fois par mois, il ne manquait pas de visiter Qadian. Un seul jour de congé ne lui suffisait pas tant qu'il ne prenait pas congé une partie de la journée du samedi. Et quand il devait partir pour Qadian, son supérieur disait à ses subalternes « Terminez rapidement votre travail, car Munshi Arura Khan doit partir à Qadian. S'il ne part pas à Qadian, eh bien, les soupirs qui naîtront dans son cœur causeront ma destruction. C'est ainsi que son supérieur le libérait à temps. » Quoique son supérieur était hindou, il était impressionné par sa piété, sa taqwa et l'exaucement de ses prières, et il lui trouvait du temps afin qu'il puisse se rendre à Qadian, tout en disant que s'il ne part pas à Qadian, eh bien ses soupirs qui naîtront de son cœur causeront ma destruction. Voilà l'impression laissée par ses aînés sur les non-musulmans, des aînés qui avaient vu le visage du Messie promis l'Islam, des aînés qui étaient imbus de sincérité, qui avaient noué une relation avec Dieu. Hadrat Muslim Maud déclare « Allah traite l'homme de la manière dont celui-ci le traite. Autant l'homme adoucira son cœur pour Dieu, autant il sera bien traité par celui-ci. Le monde le persécute, le monde l'insulte, le monde tente de le réprimer. À chaque fois, il bondit comme une balle lorsqu'on tente de le réprimer. En dépit de tous les obstacles, Allah fait progresser de tels croyants. C'est ainsi qu'est traitée la vraie Jamaat, sa Jamaat qui progresse. Il faut faire naître en soi une foi pareille. Faites en sorte que vos cœurs soient conformes à ces principes, éprouvez un tel amour pour la communauté. Et vous allez voir le progrès que Dieu vous accordera. Ceux qui appartiennent à Dieu n'ont même pas besoin de quémander les autres. Des fois, dans un accès d'orgueil, ils diront « Nous ne demanderons rien, c'est Allah lui-même qui comblera nos besoins. » Hadrat Muslim Maud relate un incident raconté par le Messie promis l'Islam. Il y avait un saint homme qui se trouva un jour dans une situation très difficile. Quelqu'un lui demanda « Pourquoi ne priez-vous pas ?» Il répondit « Si mon Seigneur ne veut pas m'accorder, eh bien l'implorer sera de l'effronterie de ma part. S'il ne désire point m'accorder, pourquoi dois-je l'implorer ?» Tel était le statut de cette personne. Et s'il désire m'accorder quelque chose, lui demander sera de l'impatience de ma part. Hadrat Muslim Maud dit « Cela ne signifie guère que l'on ne doit pas implorer Dieu. » Cependant, les véritables croyants, quant à eux, passent par de tels états. Ils passent par de tels états de temps en temps. Parfois, ils affirment « Nous n'allons pas implorer Dieu. » Allah lui-même nous demande de l'implorer. Mais cependant, en raison de leur relation avec Dieu, d'aucuns font montre d'une certaine affection, d'un certain orgueil, en affirmant qu'Allah en personne nous viendra en aide. Mais il n'est point aisé d'atteindre ce stade. Ne croyez point qu'en croisant les bras, qu'en omettant de faire naître en soi l'amour et l'humilité lors de ses prières, en négligeant les aumônes et les contributions, en ayant recours aux mensonges et aux ruses, vous allez mériter ces faveurs particulières de Dieu. Cela est impossible. » Hadrat Muslim Maud raconte un incident qui concerne Qazi Umar Hussein, qui était un compagnon sincère du Messie promis alayhi salam. Avant d'embrasser l'Ahmadiyya, il était un wahhabite rigoriste. Il ne supportait pas toute forme de marque de considération externe témoignée à l'égard d'autrui. Il était un wahhabite fanatique et ne pouvait endurer tout acte accompli pour l'apparence. À l'époque du Messie promis l'Islam, quand le Messie promis l'Islam se présentait quelque part, les Ahmadis se mettaient debout par respect. Qazi Umar Hussein était certes Ahmadi, mais selon lui, cette marque externe de déférence était interdite, voire c'était du shirk, du polythéisme. Et il disait souvent, « Si pareils défauts sont présents en nous aujourd'hui, que se passera-t-il à l'avenir ?» Hadrat Muslim Maud déclare, « Qazi Umar Hussein était aussi mon enseignant. Mais lorsque je fus élu calife, un jour, quand je suis sorti, Qazi Umar Hussein s'est mis debout immédiatement. Je lui ai demandé, « Selon vous, c'est là un acte de polythéisme.
Kazek Hussein en a ri et a éclairé, je croyais aussi la même chose. Mais que puis-je faire? Je ne peux pas me retenir. Je me mets debout inconsciemment. Je lui ai dit, c'est là la réponse à toutes vos objections. Si quelqu'un se met debout pour la forme, eh bien, c'est du shirk. Mais quand on le fait spontanément, eh bien, ce n'est plus du shirk, du politisme. Le Messie Premier Esraam disait que l'ostentation et l'affectation transforment certains actes en actes de politisme. Il faut être vigilant à cet égard. On raconte qu'Aïcha fondit en larmes et cria et se frappa le visage quand elle entendit la nouvelle du décès de son frère. On lui demanda, est-ce permis d'agir ainsi? Elle répondit, je l'ai fait instinctivement, je n'ai pas fait en toute connaissance de cause. Qazi Omer Hussein disait la même chose, à savoir qu'il l'a fait spontanément. En tout cas, chaque compagnon faisait montre de sa sincérité et de son amour de manière différente. Hadrat Muslim Aoud nous explique aussi les signes qui découlent de la relation avec Dieu. Hadrat Muslim Aoud raconte que le Messie Premier Islam racontait qu'il y avait un saint homme de la famille du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, qui vivait peut-être à l'époque de Haroun al-Rashid. Cette personne s'appelait Moussa Radha. Moussa Radha a été emprisonné pour la simple présomption qu'il était sur le point de fomenter des troubles. En plein milieu de la nuit, un soldat vint le voir avec l'ordre de sa libération. Moussa Radha était fort étonné de cette libération. Il partit voir le roi et lui demanda « Pourquoi m'avez-vous fait libérer subitement ?» Le roi lui raconta ceci. « Dans un rêve, j'ai vu que quelqu'un m'avait réveillé. J'ai ouvert les yeux dans mon rêve et je demandais à ce visiteur qui il était. Il me répondit qu'il était le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Je lui ai demandé s'il avait un autre pour moi. Il m'a dit, « Haroun al-Rashid, comment peux-tu dormir alors que mon fils est en train de croupir en prison ?» J'étais si effrayé que j'ai envoyé sur le champ l'ordre de te faire libérer. Le saint homme a dit, « Ce jour-là, moi aussi j'étais dans une profonde tristesse en prison. Je n'avais pas ressenti le désir de liberté auparavant. Or, ce jour-là, j'ai ressenti l'ardent désir de retrouver la liberté. » Hadrat Muslim Aoud a relaté de nouveau les habitudes de Munshi Arura Khan, ce dévoué disciple du Messie Premier Islam. Il tentait souvent de venir à Qadian. Il tentait de venir soit le vendredi, soit le dimanche. Lorsqu'il avait un jour de vacances, il venait à Qadian, il venait au moins une fois par mois. Et il parcourait une partie de son voyage à pied, afin d'économiser une partie de son argent afin qu'il puisse présenter cet argent au Messie Premier Al-Salam. Il recevait à l'époque un salaire modique, peut-être 15 ou 20 roupies. Non seulement qu'il arrivait à subvenir à ses dépenses, mais il épuisait aussi ses frais de voyage et présentait quelques sommes au Messie Premier Al-Salam. Hadrat Muslim Aoud a déclaré « Je l'ai vu porter un seul manteau pendant toute sa vie ». Il portait un pagne et une simple chemise. Il désirait économiser de l'argent afin de le présenter au Messie Premier Islam comme un gage de son attachement au Messie Premier Islam. Il ne cessa de monter en grade en raison de son honnêteté jusqu'à atteindre le grade de tahsildar, de collecteur d'impôts. Après le décès du Messie Premier Islam, il vint me rencontrer, raconte Hadrat Muslim Aoud radhiyallahu anhu. Munshi Arura Khan m'appela et il fondit en larmes et j'ignorais la raison. Munshi Arura Khan m'a offert 3 ou 4 pièces d'or en disant qu'il voulait l'offrir au Messie Premier Islam mais qu'il n'en avait pas eu l'occasion. Et maintenant que j'ai avec moi cette somme,
je n'ai pas pu la présenter au Messie premier Islam qui est décédé et il était en larmes et pleura davantage. Voilà ce qu'est l'amour, dit Hadrat Muslim Maud. Si les biens terrestres sont de véritables faveurs et que ces biens terrestres sont source de la vraie sérénité, il y a nombre de biens terrestres, et si ces biens terrestres sont la source de la vraie joie et de la vraie sérénité, eh bien, un croyant, lorsqu'il usera de ces biens terrestres, son cœur sera en peine. Car il va se dire, si ces biens sont des faveurs véritables, eh bien, le saint prophète, paix soit sur lui, aurait dû en recevoir. Un jour, quand Hadrat Aïcha consomma du pain de farine raffinée, elle commença à pleurer, car ce pain n'était pas disponible à l'époque du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Le saint prophète mangeait du pain de blé moulu grossièrement. Hadrat Muslim Maud a relaté un récit qui concerne son amour pour le Messie premier Islam. Il dit, il a déclaré que si ses biens terrestres sont des faveurs, eh bien le saint prophète aurait dû en être le récipiendaire, et après lui, le Messie premier Islam aurait dû en être le récipiendaire. Le deuxième calife raconte, tout jeune, à l'époque du Messie premier Islam, la passion de la chasse me prit. J'avais un fusil à air comprimé et j'apportais à la maison mes gibiers. Le Messie premier Islam ne mangeait pas beaucoup et il faisait beaucoup de travail mental. Et j'avais entendu du Messie premier Islam ou de la bouche d'un autre médecin que la chair de gibier est très bonne pour ceux qui font beaucoup de travaux intellectuels. C'est pour cette raison que je présentais souvent mon gibier au Messie premier Islam. Je ne me souviens pas d'avoir préparé pour moi-même de la viande de gibier. Je présentais cette chair au Messie premier Islam. Quand on éprouve un amour parfait à l'égard de son bien-aimé, eh bien, on ne trouve confort en rien. Et si l'on arrive à trouver confort en quelque objet, eh bien, on considère que c'est son bien-aimé qui le mérite. De par sa grâce, Dieu m'a ouvert de grandes connaissances du Saint-Coran, déclare Hadrat Muslim Maud. En une vingtaine d'occasions, quand Allah m'a fait comprendre quelques points, j'ai désiré ardemment avoir connu ces points à l'époque du Messie premier Islam ou à l'époque du premier calife, afin que je puisse le leur présenter et mériter ainsi leur plaisir. C'est au Messie premier Islam que revient le vrai mérite. Or, j'ai désiré aussi en présenter au premier calife, car il m'avait enseigné le Saint-Coran, et il avait pour moi une grande affection. Il souhaitait que je médite sur le Saint-Coran pour en faire sortir les significations. Hadrat Muslim Maud déclare, les choses de ce monde ne sont d'aucune valeur. Ces choses de ce monde ne sont d'aucune valeur, sinon elles nous auraient accordé la vraie joie. C'était là l'histoire de ces amoureux du Messie premier Islam qui venaient à Qadian. Et quand ils partaient de Qadian, ils désiraient y résider, comme c'était le cas pour Fazal Shah Saheb et dans le cas de Munshi Arul Khan. Il y a d'abord le cas de ceux qui regardaient le visage du Messie premier Islam et qui faisaient de leur mieux pour venir à Qadian. Ils souhaitaient ardemment venir à Qadian et ils consentaient aussi à des sacrifices pour le Messie premier Islam. Or, pour certaines pauvres âmes, l'atmosphère chargée de vertus de Qadian était une torture. Les plaisirs de ce monde avaient une telle emprise sur eux qu'ils se sauvaient de ces lieux saints. Hadrat Muslim Maud a relaté un incident à ce propos. À l'époque du Messie premier Islam, un jour un visiteur passa une journée à Qadian et partit après un jour. Celui qui l'avait envoyé à Qadian croyait qu'il allait profiter
de quelques jours et à Qadian, il va passer quelques jours et il va aussi profiter des conseils du Messie Premier Islam. Il va profiter de l'atmosphère de Qadian et l'Ahmadiyya aura quelque effet sur lui. Or, le visiteur ne resta qu'un seul jour. Son ami qui lui avait envoyé lui demanda « Pourquoi es-tu parti ?» Il répondit « Je m'en repens. Est-ce là un lieu pour d'honnêtes gens ?» Son ami croyait qu'il avait vu quelque mauvais exemple de l'Ahmadiyya et que cela l'avait repoussé. Il lui demanda « Quelle est la raison de ton départ rapide de Qadian ?» Son ami raconte que il a pris la voiture entre Qadian et Batala. Il raconte « Je suis arrivé à Qadian le matin. On m'a installé dans la chambre d'hôte et on s'occupa très bien de moi. Je me suis dit « Je suis venu de Sindh et en cours de route, je n'ai pas eu l'occasion de fumer du narguilé. Je croyais que je pourrais le faire à l'aise et que j'allais me reposer. Alors qu'on apportait mon narguilé, quelqu'un m'a informé que le premier calife qu'on appelait le grand Molvizeb allait tenir sa session de commentaires de Hadith et que je devais y être présent et que je devais l'écouter et que j'allais fumer mon narguilé après. Je me suis dit pourquoi pas, étant donné que je suis venu à Qadian, pourquoi ne pas écouter ses commentaires sur les Hadith. Après y avoir assisté, un autre m'a informé que le repas était prêt et que je devais d'abord manger. Je me suis dit je fumerai mon narguilé après le repas. Je le ferai à l'aise. Alors que j'avais à peine terminé le déjeuner, on a lancé l'appel à la prière de Zohr. Et je me suis dit, je suis venu à Qadian, pourquoi ne pas prier? Après la prière de Zohr, le Messie Premier Islam s'est assis dans la mosquée et il a commencé à parler. Je me suis dit, je vais l'écouter et ensuite je vais partir fumer mon narguilé. Il n'avait pas encore oublié son narguilé. Lorsque je suis sorti de la mosquée après m'être soulagé, je me suis assis pour préparer mon narguilé afin de le fumer. Je me suis dit, je vais le faire à l'aise, mais je n'avais pas pris de bouffée quand on m'a informé que c'était l'heure de la prière d'Asr et j'ai quitté mon narguilé. Après avoir accompli la prière d'Asr, je me suis dit que maintenant je suis libre jusqu'à dans la soirée. Quelqu'un m'a informé que le grand Molvi est parti dans la mosquée Aqsa pour sa session de commentaires du Saint-Coran. Je me suis dit que je serais libre de pouvoir fumer mon narguilé, mais je me suis dit que je suis venu à Qadian, pourquoi ne pas assister à ces commentaires. Après la session, on a lancé l'appel à la prière de Maghrib et le narguilé était en train de s'éteindre. Je suis parti accomplir la prière de Maghrib, mais Aseb a tenu une autre session dans la mosquée et j'étais contraint d'y rester. Je me suis dit, je vais écouter ce qu'il a à dire. Je me suis dit que maintenant j'aurais peut-être l'occasion de fumer mon narguilé, mais on m'a apporté mon dîner. Et on m'a dit de prendre mon dîner. C'était l'heure du repas et après le dîner, je me suis dit que je pourrais fumer mon narguilé. Mais c'était l'heure de la prière d'Isha et on a lancé l'appel à la prière. Après la prière d'Isha, j'ai remercié Dieu et je me suis dit que maintenant il n'y aura plus rien à faire et que je pourrais fumer mon narguilé à l'aise. Je l'avais à peine allumé qu'on m'a expliqué qu'après la prière d'Isha, le grand Molvizeb prodiguait des conseils aux invités venus de l'extérieur. Je suis parti l'écouter. Pendant son discours, je fis pris de sommeil en raison de la fatigue du voyage. J'ai oublié où j'étais, j'ai oublié mon narguilé. Le matin, j'ai pris mon couchage et j'ai pris la fuite de Qadian. Qadian n'est pas un lieu où peuvent résider d'honnêtes gens, je me suis dit. Voilà l'état de ces honnêtes gens. En raison de son addiction, cette personne n'a pas pu acquérir cette connaissance de la religion et n'a pas pu profiter de la compagnie du Messie Premier Islam. Il y a là une leçon pour tous ceux qui ont quelque addiction. Je voudrais à présent commenter sur la situation du monde brièvement. Le monde est en train de courir à grands pas vers une destruction et les membres de la Jamaat doivent beaucoup prier en ce sens. Ils doivent être très vigilants concernant la prière. Après les attentats abominables de Paris,
les États occidentaux ont décidé de prendre des mesures drastiques contre le prétendu État islamique établi en Irak et en Syrie. Ils ont décidé de lancer des attaques aériennes sur l'État islamique. Ces attaques ont déjà débuté. Que ces États lancent ces attaques contre ceux qui commettent ces exactions et qu'Allah protège les innocents et les populations innocentes. La plupart de ces populations, de ces personnes en Syrie sont pris dans un engrenage et n'ont aucune issue de secours. Les États musulmans voisins n'ont pas pris de mesures sérieuses pour tenter de mettre fin à ce chaos. Ces États voisins auraient dû aider les États de ces pays en crise afin de mettre fin à ces troubles. Ils l'ont laissé prendre de l'ampleur tant et si bien que ce mal s'est répandu dans le monde entier. On dit que les États voisins sont en train de faire du commerce avec le prétendu État islamique, qu'ils sont en train d'acheter leur pétrole. La Russie a porté cette accusation contre la Turquie, quoique cette dernière ait rejeté cette accusation et est en train d'en accuser la Russie. En tout cas, ce commerce a lieu, tout comme je l'ai dit dans le passé depuis plusieurs années. La Russie participe avec l'Occident dans ses attaques aériennes, quoiqu'il y ait des différences entre la Russie et l'Occident. La Russie est en train de soutenir le pouvoir de Bachar al-Assad qui est en place en Syrie. Alors que le monde est contre Bachar al-Assad. En tout cas, Daesh est leur cible commune en dépit de leurs divergences. Mais en dépit de cela, il y a des divergences entre la Russie et l'Occident. La Chine a annoncé son soutien à la Russie si la situation s'aggrave. La Syrie annonce que les attaques aériennes de l'Occident ne seront d'aucun avantage tant qu'ils ne travaillent pas ensemble. La Turquie avait frappé un avion russe et l'hostilité n'a cessé de prendre de l'ampleur entre la Turquie et la Russie. Et ces déclarations hostiles n'ont cessé de prendre de l'ampleur. Et on a entendu aussi que ce prétendu État islamique a fait un autre plan. Si l'État islamique doit abandonner la Syrie et l'Irak, eh bien ils vont s'implanter en Libye. Quel en sera le résultat? Pour le détruire, les Occidentaux vont lancer d'autres attaques aériennes en Libye. Et les populations vont en souffrir. Les puissances occidentales soutenaient dans le passé le pouvoir en place. Par la suite, ils ont tenté de les renverser. Ils ont renversé les pouvoirs en place en Libye, en Syrie et en Irak. Ils ont tenté de les renverser ou ils les ont renversés tout court. Tout cela s'est fait en raison qu'il n'y ait pas de justice de leur part depuis fort longtemps. C'est pour cette raison qu'il y a ces troubles qui ont pris de l'ampleur dans le monde. Malheureusement, les pouvoirs en place dans les pays musulmans ne sont point justes et commettent des exactions. La situation est si compliquée que cela a pris la forme d'une guerre mondiale. À petite échelle, cette guerre mondiale a déjà débuté. On doit dire que cette guerre mondiale a déjà débuté. Nombre d'analystes partagent ce point de vue et ont écrit à ce sujet, à savoir que la guerre mondiale a déjà débuté. Depuis plusieurs années, j'ai déjà mentionné cela, et ils sont en train de le répéter aussi, à savoir qu'il n'y a pas de justice. Mais on dirait que la même chose va se passer, c'est-à-dire qu'ils ne seront point justes. Ni les grandes puissances, ni les États musulmans ne vont faire preuve de justice. Apparemment, ils ont lancé des attaques concertées contre le prétendu État islamique, afin qu'il y ait la paix. Ils tentent de mettre fin à cet État islamique afin qu'il y ait la paix après sa destruction. Or, la situation indique que même si ce mal connaît une fin,
la situation ne va pas se rétablir. La situation ne va pas se rétablir car il y aura de la rivalité entre les grandes puissances avec la possibilité d'une guerre entre ces grandes puissances car l'antagonisme entre la Russie et les puissances occidentales ne cesse de prendre de l'ampleur. Et ce sont les gens ordinaires qui vont mourir en grand nombre. C'est ce que nous avons vu au cours des guerres mondiales. Ce sont les civils innocents qui meurent. C'est pour cette raison qu'il faut beaucoup prier. Qu'Allah protège le monde de la destruction. Les années précédentes, j'avais demandé à la Jama'a de prendre des mesures de précaution. Il faudra que les membres de la Jama'a soient vigilants à cet égard. J'ai évoqué certains points brièvement à l'époque. Je le répète encore une fois qu'il faudra beaucoup prier qu'Allah accorde aux États et aux grandes puissances le discernement nécessaire pour qu'ils ne poussent pas le monde vers la destruction. Alhamdulillah, na'muduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر